Donc, comme je vous avais montré précédemment, après l'installation, on tombe sur le menu de première connexion. Là, cette fois, vous rentrez votre mot de passe définitif parce qu'on ne remontera pas de backup. Donc là, je vous invite à créer un compte. Je me suis trompé. Donc voilà, on arrive sur la page, la première page de Nexdom. Donc ici, sur le côté, on nous voit le menu. Je ne le détaille pas, donc vous avez déjà vu les différentes icônes dans les précédentes vidéos. Ici, nous allons créer donc un objet. Voilà, j'ai créé l'objet maison. Je peux en ajouter et rajouter des pièces dans la maison. Donc pour ajouter, il faut simplement mettre, voilà, ici je mets en paire maison. Donc la chambre sera sous la maison. Je pourrais ajouter aussi un élément jardin indépendant ou sous la maison, comme on préfère. Hop. Là, on a assez d'éléments pour démarrer. Donc voilà les éléments qui sont constitués. Hop là, voilà. Donc dans maison, je vois bien qu'il y a chambre. Et ici, j'ai jardin. Je peux aller dans le jardin et dans le jardin, j'ai piscine. Pour l'instant, on a mis aucun plugins. Donc j'ai pas mis de compte, mais je peux récupérer au moins les widgets qui sont gratuits. J'ai pas dû le mettre. Voilà. Donc en discutant, j'ai oublié de cliquer sur installer. Voilà. J'active. On lance les dépendances. Ah donc ça c'est à chaque fois que vous avez un plugin que vous le mettez, vous installez des dépendances. Voilà, là les dépendances sont bonnes. Tout est passé vert. Et là maintenant en protocole domotique, GESP Easy. Donc voilà, pour l'instant sur ESP Easy, j'ai mis deux petits modules qu'on peut voir ici, qui sont l'adresse IP de mon Nexdom. Ici, vous rentrez le device, pareil ici. Donc là, assez simplement, si j'ai oublié de vous montrer dans device, j'ai mis une info générique qui remonte toutes les 9 secondes. Donc là, je mets en mode inclusion. Il faut attendre à peu près un petit peu. Hop, et voilà. Les deux éléments sont détectés et sont remontés. Donc là, ma cuve à fioul, je peux par exemple la mettre dans mon jardin. On pourrait la mettre dans la piscine. Bon, une cuve à fioul dans la piscine, c'est pas top, mais bon, voilà.
Pensez bien à activer et à le rendre visible en sauvegardant. Ici, les commandes sont remontées automatiquement, donc je vois qu'il fait 13 degrés. Que ça fait un bon moment que c'est démarré. Le puissance du Wi-Fi. Ah, ça, c'est toutes les infos qui remontent au fur et à mesure. Et quand il y en a d'autres, il va les ajouter. Hein. Voilà. Là, ici, j'ai rien. C'est un petit module que j'ai mis qui fait rien. Il est juste branché qui. Donc on sait qu'il est démarré depuis 9 minutes. Je sauvegarde. Ici maintenant, si je retourne dans maison. Non, c'était en jardin. Si je retourne dans le jardin. Voilà. Je vais voir en fin de compte ma cuve à fioul. Voilà. Si vous voulez déplier ou replier le menu, le petit bouton en haut avec les trois petits traits. Et donc on va aller dans outils, liste des objets et résumé. Voilà, donc là on retombe là-dessus. Donc si je veux mettre dans mon jardin voilà, donc là j'ai mis la cuve à fioul qui va plus être dans le jardin. Je vais la mettre dans cuve. Hop. Et là, si je retourne sur mon dashboard, je vais trouver le jardin, piscine, cuve.